bing ai na kombo na ngai sujet ya yana esengo kulinga mananza mboyo aye bing ai utali bumwa mama na ngai sekele ya yanga bolingo. Voilà, shalom nabino balandia chilo officiel de TV. Tant on a le bac à shalom, vous comprenez directement que c'est un espace, espace religieux, espace où tout le monde a basé l'anzam. En tout cas, tous les cas vraiment édifié la présence. Il y a basé l'anzam, bien sûr, au balikaka na chilo officiel de TV. Alors, sans oublier, je salue directement mon papa Feli, Bambo te place aux depuis Issa. Je salue maman Nicole, je salue maman Divine, maman Marie. Jeanne Bolole et je dis un grand merci à Claudia Baka on a le baka toujours na ben akaye mon ali passe na place nyo sona kenda ka Claudia Baka la ndarangai. Alors pourquoi pas na pesa nzambe merci nzambo apesi ngai vie nzambo apesi ngai pe mon pre bele bakufi hein na leke bango na nini ya ya e bele bana ba morgue ero bakoti se bango mubimba. Dans l'équipe, on est l'autre côté. Nous avons appelé un souffle de vie et on a appelé merci. En tout cas, comme on a écouté, ça à jamais. Sans plus tarder, nous avons invité mon co spécial. Comme je dis toujours, nous avons sur le officiel TV. Nous avons spécial pour nous rappeler pour nous balancer sur le officiel TV. Je suis avec la servante de Dieu, Merdi Itoka Owa, et nous avons partagé. Le sujet est vraiment important pour nous rappeler pour nous balancer sur le officiel TV. Sans plus tarder, je salue directement mon invité. Bonjour, la servante de Dieu. Bonjour, ma sœur. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu. Ouais, par la grâce de Dieu, ce qui grâce à Nzambe était vraiment même au boulot. Alors, d'abord, présentez-vous d'abord na Balandia sur l'officiel TV parce que c'est la première fois toi yambayo na plateau na biso et tu t'appelles comment? Serva Nzambe wapi tout consort. Je suis la sœur Merdi Toka. OK. La sœur la Nzambe na mission évangélique pour la valorisation des âmes. Okay. Mais va. La sœur Merdi Itoka au même niveau comme thème autre partager les longs. Naël obéla sur la détermination de la foi. La détermination de la foi. Waouh, le lot vraiment tous à la béni parce que d'abord c'est quoi la détermination? La détermination vient du mot déterminer, du verbe déterminer. Donc une personne qui est déterminée, c'est une personne qui est décisive à faire quelque chose. C'est une personne qui est décisive à faire quelque chose. Oui. La détermination. Alors, quand tu sais bien, il y a la détermination. Comment tu as fait pour déterminer? Bon, mon toi as déterminé, premièrement, tu as découvert la manière de agir devant, devant l'objectif. Devant la chose où elle a déterminé à Kosala. Et je suis en train de courir directement dans la Bible. Je vais parler sur une femme. Dans la Bible, verset 2 rois, verset 4. Il y avait une femme, Oyo, Ngolwa Nzambe, et Pesa qui est moine, Nanzela Moussala Nzambe. Mais, nakota la histoire, à la langue, moine en Akoufaki. Moine en Akoufaki. Tant moine Akoufi, la femme avait premièrement, parce que je suis en train de parler sur la détermination de la foi. La femme avait premièrement la foi. Que Moussa Lanzambi a fait ça qui est moi, nous sommes capables de couper ces solutions. Et à part la foi, elle était aussi déterminée. Parce que tu peux être déterminé, mais tu n'as pas la foi. Au tu as un obstacle, parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, si tu n'as pas aussi la foi, la foi en toi, détermination na opé et coco lima. Ce qui pose la foi, moza déterminé tes locaux au sal. Moza déterminé tes objectifs aux anakati au sal et coquipé ko limbisa yo. C'est pourquoi nous allons parler sur la détermination de la foi. Premièrement, la femme avait la foi et elle était déterminée. Et nakati a versé, on attend au moins na koufi, la femme est partie vers son mari pour na kozoa. Nani, an amemaye bisika o moussa la nzamba zalaki. J'ai beaucoup aimé la réponse d'une femme déterminée. Et je suis en train de parler aussi la manière d'agir d'une personne qui est déterminée. Premièrement, une personne qui est déterminée n'est pas prête à écouter tout le monde.
et ne pas prêt à voir toutes choses et à regarder okay. tout. Mm-hmm. Quand une personne est déterminée, il ne peut pas écouter n'importe qui. Mm-hmm. Parce qu'ils ont un bateau qui peut décourager pour l'aimer ça. Objectif na yo. Et la femme est partie vers son mari, tel que la femme savait que la foi où Ezaki na mo. Ezaki en on Ezaki na katia mbalité. L'homme lui demande pourquoi les lois ont été sabbatées. Les hommes ont été sabbatées. Ils ont été sabbatées. La femme dit tout va bien. Au moment où l'espoir est si là. Parce que tant que je suis là, ma soeur, espoir est là. Tant que j'ai des difficultés, espoir est là. Mais une fois que je suis comme toi, confie, espoir est là. Je suis déjà que si là. Mais cette femme a gardé sa foi tout en étant déterminée dans le moment où elle est là. Moi, na atikala ki akufa. Et tango ba moi sioyo a matina kati ya ni ya an bazo kenda ebisi mutabanda o mema ik me manga directement place musale azali. Mais ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Et linko lo ba ke muto aza déterminé même tango zo zoa marche vers objectif na yo, vers destinée na yo, vers eloko ozo luka, eloko lobake okiki ko s'arrêter te à n'importe quel moment. Parce que en s'arrêtant, tu peux aussi tomber na kati ya découragement. Je ne sais pas où s'arrêter wap. Parce que okiki peut s'arrêter na lié moko eza malamuti. Eko peso lisu courage ya ko avancer te. C'est-à-dire que une personne que déterminée azamu oyo azalaka penser na ye et ses fondaka tout droit na kati ya biti bisika wazo kinde. Et la femme est partie parce que moi si a commis musika il est écrit que Eli a vu la femme de loin a monaki moi si na musika a ebisi serviteur na ye guyazi a ebisi abi je suis en train va vers la femme sinamite et demande lui qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire quoi elingaki kolobaka Eli, tant qu'un homme de Dieu avait pressenti. Tant que tu dis Géasi, j'aime vraiment la réponse de cette femme, ma sœur. La femme dit à Géasi, tout va bien. Tu sais pourquoi? Parce que la femme savait que la détermination et la chose que la femme ici cherchait n'était pas liée à la foi de son mari, n'était pas liée aussi à la foi de Géasi. Mais c'était lié à la foi de l'homme de Dieu Élisée. C'est-à-dire que lorsque tu es déterminé, quel que soit nakati à faire, je suis en train de parler à tout le monde. Quel que soit nakati à faire aux osala, nakati à musala aux osala. Écoutez, la gloire est facile, mais le chemin de la gloire n'est pas facile. Ce que tu raconteras nakati à Nzela, est à facilité. Lorsque Dieu a dit à Moïse, Azwaba na Israël ma bango nakati à Kana. Et ce qui Moïse dit que ba kouta na liboso mer rouge, et que cosa la terrible. Et lorsque Moïse a pris les enfants d'Israël, il était déterminé qu'il faut bakota na Kana, mais makambo bakota na kina na bakota na kina ngona Nzela et empêcha ki batu ebele bakota na kati à terre. Et lorsque tu es déterminé, il faut avoir la foi, être aussi mire. Parce que si tu n'as pas la foi et que tu n'es pas mire, moi je comme la à destinée exacte. Alors il y a autant vous allez déterminer dans ça quelque chose. Na et prévenir na ouélimbi sakayo. Difficulté ni na ouélimbi sakayo qui ouélimbi sakayo pezongi sakayo sima. Tu as un projet, tu es déterminé au mariage, tu es déterminé. Donc tu es appelé à une destinée glorieuse. Alors eloko ni nango lembisa kayo poko o raté via gloire onzambala kayo. C'est pourquoi je suis venu te dire que esengeli ozala déterminé. Soit déterminé dans la foi. Ce qu'oza déterminé o koma kino na suka. Alors nazo zonga na kata histoire ya moi si oyo. Moi so ebisi ke azi alobi. Tout va bien. Mais azo kende pa nan. Azo kende et pas musala nzambe Élisée. Parce que la femme n'avait pas imploré Élisée à pesa et moi. Mais Élisée na bola moi sa banda salila ye a monaki a trouva ki ke esenge la pambola ye ne loko abanda e kozanga. Écoutez, il y a certains combats où tozo kuta na ngona ba vie na biso na babiloko to lukate. Tu as une grâce en toi que tu n'as pas demandé à Dieu. Ozana talent moko na kati na yo o senga nzambe te. Ozana don moko na kati na yo o senga nzambe te. Mais nzamba zwango apesa yo. Mais okutani na komba na kati ya mokili. Ne lâche pas, hein? Ne lâche pas en disant que je n'ai pas forcé pour l'avoir. Parce que
écoute, c'est ce qui sortira en toi qui fera de toi une grande dame demain, un grand homme demain. Et ça, on a dit que c'est un talent. La femme n'a pas demandé la fin. Mettant au moins la confie, la femme n'a pas lâché. Mm-hmm. En disant que le col en a senga qui nzambe moi naté. A koufa qui sait que nzamba permettait qu'on a vu nanga naza na moi naté. Parfois on se dit comme ça et mm-hmm. ce n'est pas ça. Maloba ya moi na nzambe. Moi na nzambe c'est quelqu'un dont malgré choc ou ezana katina yo, malgré découragement, tu restes déterminé. Tu es forte. Et tu as la foi assumée au Ezali Bosonayo. La femme sinami tango banda qui est vert et Élisée a zanga ke lokanda ke lokate. Ayeba ki azo ke ndo loka solution et ki l'objectif moi nanaye. Pour être déterminé, il faut avoir l'objectif. Ce qu'on a un objectif, c'est moi la déterminer Ezali. C'est-à-dire une personne déterminée dans la foi doit avoir l'objectif. Et c'est nous un objectif. Vous voyez que eloko nazo ça l'objectif nanga eza eloko oyo eza songolo pakal. Ce n'est pas que tu es en train de faire quelque chose likolo likolo bongo. Non, il faut avoir l'objectif dans ce que tu es en train de faire. Tu es commerçante. Objectif nayo eza la kanine. Olinga ko atteindre niveau nini. Osalaka. Objectif nayo eza la kanine. Tu es une femme appelée au ministère, tu es un homme appelé au ministère. Objectif nayo na kati ya makambo ya Nzambe. Ezaka okutana ni Nzamba lobela yo ni. Parce que pour être déterminé, c'est-à-dire que tu es décisif à obtenir l'objectif. Bon, objectif, il faut être lié à la vision nayo. Parce qu'une personne qui n'a pas la vision n'a pas l'objectif. OK. Parce que lorsque tu as l'objectif, c'est d'abord quelque chose oyo ozomona na misuté. Mais tu vois ça en toi et tu es décisif et déterminé à obtenir cela. Exemple, tu n'as pas d'enfant. Okenda na hôpital nyonso. Baloba ke yo koko botate. Mais quand tu mets la foi, c'est-à-dire que espoir ezate, mais toi tu mets la foi à quelque chose que tu ne vois pas, mais tu espères à ça. Donc c'est ça. L'objectif d'une personne où il azala déterminé. Premièrement, une personne qui est déterminée, c'est une personne qui doit combattre le découragement. Parce que le découragement est une arme où il combat la détermination. J'avais dit au départ que lorsque tu es déterminé, tu as un objectif aux Hollande. Au mon ango ah nazo rêver na vie nanga va salon mo quoi bien nazo rêver nazo la une femme commerçante donc au mon itango aux an objectif aux mon aka objectif au quoi atteindre mes chemins aux mon amouti. C'est pourquoi je suis en train de dire na bateau bazoa ba découragement qui le chemin de la destinée n'a jamais été facile. Le chemin de la destinée n'est pas facile. C'est-à-dire que tu rencontreras des difficultés locaux là-bas en Israël. Tu vas alors par là, tu vas voir que bakutana ki na ba makambo ebele. Et nous sommes là-bas, épines, obstacles, mais makambo tuna kati ya destinée. Et tu dois être fort. Tu dois être fort. Et combattre en toi l'esprit de la découragement. Parce qu'une personne qui est déterminée doit combattre l'esprit de la découragement. Au coup, tu as une déception. Au coup, tu as un bousculé, tu as une destinée. Au coup, tu as un choc ébélé. Pour ça, la capacité. Quelque chose dont tu rentres en toi, tu te dis vraiment que qu'est-ce que je fais? Mais ici, nous sommes en train de parler sur une personne en Christ. Une personne qui est en Christ. Après découragement, après récré, tu te décourages, tu es blessé. Azongana katinaye pour dire père que ça se passe selon ta volonté. Christ a dit Seigneur, si c'est possible, enlève cette coupe devant moi. Là mon quoi écouta la bi so ginza balongoli coupe. Est-ce que makambu na loba on a sakola ke na bakokanga nga mwana na moto bakokanga ye akufa mikolo est-ce que kokisama azongi na kati na ye abi Seigneur que ça se passe selon ta volonté. C'est-à-dire une personne qui est déterminée. Pourquoi Jésus a dit que ça se passe selon ta volonté? Parce qu'il y a yebaki qui est à qui libosso naie. Il fallait qu'il a dit accepter qu'on les canalise là on a pour atteindre un mot. Mais lorsqu'on lui frappait tout en étant chéri, il avait pleuré. Est-ce que vous comprendre niveau il y a détermination? C'est-à-dire que nous avons besoin de personnes.
qui peuvent nous pousser vers la destinée. Okay. Et je suis en train de parler à une personne. On a quatre naïas à qui na destinée. Que ce n'est pas mauvais si tu as au côté. Une personne, un mardoché, une mardoché, ou est capable de pousser vers la destinée. Voilà que Esther avait pris la décision de suite. Et avec la détermination, avec la foi, na soutien Christ, Esther a kende koko tanakatianda kwa roi. Et Esther avait délivré son peuple. C'est-à-dire que ba mardoché baza itilte. Et je suis en train de parler na ba mardoché. Comme moi aussi comme mardoché, parce que j'ai apporté le message de la détermination. Je suis en train de te dire que malgré la loi, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce que tu peux traverser sur le chemin de ta destinée, mets la confiance en Christ. Détermine-toi au niveau de Dieu, même si je dois périr, je périrai. Donc, attends, ceux qui n'ont pas couffé, n'ont pas couffé, mais n'ont pas salani, n'ont pas taka n'a quoi. C'est ça la meilleure détermination lorsque tu es décisif. Et voilà, c'est ça la meilleure détermination. C'est ça la meilleure détermination quand tu es décisif. Alors, Moussa Lanzambe, et le connu n'est souka parce que nous sommes arrivés presque à la fin, et le connu n'est souka koki koye bisa bana Lanzambe. Et diminue niveau de détermination na yo, et côté ça découragement kati na yo, et côté ça kobanga kati na yo. Parce que premièrement la peur, c'est la croyance négative. Tu as peur, tu peux avancer mais tu as peur, parce que ma sœur, ça arrive des fois tu te sens que tu peux avancer mais tu as peur ozobanga. Est-ce que na kokoma? Enlève d'abord la peur, enlève le découragement, longola choc. Au moins, les chocs aux oana, ils ont la choc et qu'on les bisote. Pourquoi on a destiné? Mais n'a pas eu ça, mon déception. N'a choc aux oa, et personne m'a cassé de la commande à Katia destiné. En fait, que vous avez simba ou ils ont le cola objectif, même dans le domaine ministère. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a appelées. Dieu a dit, va. Fais ceci, fais cela, je serai avec toi. Maintenant, quand tu es dans la moussala, tu as un découragement, peut-être que tu as un encadrement, tu as un mardoché, tu as une déception. Alors, moi, je viens parler à la personne là. Je suis un choc. Elle aime bien ça qu'on dit mati. Bashokwana eka esa la ke osuka nanzela te. Parce que lorsque Dieu appelle une personne dans le domaine de du ministère, esa po mutoa suka nanzela te. Tango nzamba bengaka, abengaka mutu poke atambola na mutu kino na suka. Si Dieu t'a appelé et que tu as entendu la voix de Dieu, oyoka nzambe, nzambe kolobela yo. Tu es sûr que tu as l'appel de Dieu. Tu as appelé au ministère na domaine la musique, na domaine ya ba makamnyo. Naye koye bisayo mkolo alelo que malgré ba makambo yokutana ngona nzela toi avance. Amen. Continue à avancer. Amen. Malgré tout, continue à avancer. Si. Parce que une personne qui a la mission de Dieu, qui a l'objectif, après ça matoi na mutunyo soti. Peut-être tu as été découragé pour yoka. Yoka tellement belé et même on a quatre à découragement. Tu as vu. Tu as aussi été humilié parce qu'il y a certaines personnes oyo ba abandonna chemin à destinée parce que ba koka humiliation. Écoutez, même Christ a été humilié. Ce qui ngana yo tozo célébrer Christ lelo tozo gumba milaye to belela mokili mobimba, il a passé par l'humiliation. Et je suis en train de dire à une personne, prends le courage d'avancer. Tu sais pourquoi? Parce que derrière toute humiliation, il y a la gloire. Amen. Et Dieu ne le permet jamais pour rien. Zoa ba humiliation ana, zoa ba déception, zoa ba choc, comme ça ngwa enseignement, na formation nzamba lekisa yo. Allez passe en fait que tango kokoma na gloire et servir ezala elle pour na batu ba monisa yo ngote me que ça puisse te servir d'exemple vraiment. Waouh.
Merci beaucoup les servantes de Dieu pour l'intervention na yo na Chilo officiel TV, Chilo officiel TV. Et voilà, nous sommes arrivés presque à la fin parce que Claudia Bakatale singa de ngongalobi, il faut rechiter. Et je ne sais pas si vous pouvez donner votre numéro pour na bato nyonso bazana ba question ya ko poser yo bato nyonso bazana posa ya prière. Et d'abord bosanga na kana no wapi nous sambo na bino pesa ba coordonner nyonso pour na bato bazana posa ko landa yo. Premièrement, Nazo dirige groupe de prière de Sanganakana Badara chaque lundi à partir de 8h. Donc, tu bandes à prière 8h, 12h. Yaka ensemble, tu as célébré comme un zambé, bon enseignement, puis kozala, donc bamakam tout. Ce que tu as besoin, nanga numéro nanga Eza plus 243 81 276 56 46. Donc plus 243 81 276 56 46. Et voilà, merci Nabino Nyonso, vraiment besoin qui opportunité à Kolanda émission audio de bis jusqu'à la fin. Message Ezaka Kamoko, message Ezaka Kamoko, la détermination. Ma sœur, mon frère, oh Nyonso, besoin qui bat découragement, oh Nyonso, osanga qui foi par rapport ya makambo yo au monde dans la vie na yo bat déception. De l'autre message quoi il apporte na yo et koti ti bisi kozali pour que osoa courage encore ya ko servir en Zambie, osoa encore courage ya ko sala musala o lemba ki wana parce que toloba na ba domaine nyonso eza na domaine nyonso, domaine financier, domaine spirituel, place nyonso soit qui faillite, place nyonso soit qui découragement. Je t'en supplie, lève-toi et marche. Nzamba tele misa ko kana ya Bible alors baika lidoba, il avait ordonné lève-toi et marche. Alors ngape na ko yebisa yo, lève-toi et marche. Zongela commerce, zongela relation wana, zongela vie ya bonzambe, zongela vie ya sacrifice, zongela vie ya ko semer. O banda ki ko semer, o zwa ki nango donc ba découragement ebele, na ko yebisa yo, lève-toi et marche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, c'est là qui espace religieux, espace ouap. Vraiment, tout ça qui a édifié la présence de la Nzambe. Pourquoi pas la sœur Merza et Mémé Libiso. Vraiment, message, mon corps. Oh, c'est tellement important. Lève-toi et marche. La détermination, na foi, na yo sangi sa yango. Kende, okoko mati, bisi kansa mazo zelayo. Et on vous dit au revoir tout kotani prochainement. Bo partager émission oyo. Moutou nyon soza na ba problème. Moutou nyon so yo yebi kazala azala découragé. Hein? Moutou nyon so yebi kazala découragé. Moutou nyon so yebi makam nyon so toutu kosolo la. Ou moni ke non, ah, frère moka passa na ba moment difficile. Sœur moka passa na ba moment difficile, ba découragement. Zwa lien oyo partage le. En tout cas, nzamba kopambola yo makasi. Tout kotani prochainement et on vous dit au revoir. Ngai na kombo na ngai sujet ya na esengo ulinga mananza mboyo ayebi ngai utalipu mama na ngai sekele ya nga bolingo.